Bonjour à vous et bienvenue sur Tutti Druid. Je vous avais promis l'épisode 2 du gameplay du jeu Full Metal Alchemist Mobile qui est disponible en version bêta ouverte depuis le 31 mars 2022 à 10h, heure de Paris. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé l'épisode 1, je vous invite à le faire. Le lien se trouve en haut à droite de l'écran. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et de mettre un pouce bleu. Assieds-toi confortablement, aiguise tes doigts, ça commence. ちょっと困るなお客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い。すぐ直すから。直すからって。んじゃあ早速。そんじゃあ行きまーす。これでいいかな。こりゃ驚いた。あんた奇跡の技が使えるのかい？なんだそれ。僕たち錬金術師ですよ。エルリック兄弟っていや結構長通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。いやあんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて、えうちのちっかいの。誰が豆粒どっちみか。こんにちは、おじさん。あら、今日はなんだか賑やかね。お、いらっしゃいロゼ。今日も教会に？ええ、お供え物。あら、見慣れない方が。錬金術師さんだとよ。探し物してるそうだ。探し物、見つかるといいですね。レトシ。ロゼもすっかり明るくなったな。ああ、これも教主様のおかげだ。へえ。あの子ね、身寄りもない独り者の上に。あん時の落ち込みを。そこを救ったのが。生きる者には不滅の魂を。その証拠が奇跡の技さ。死せる者に復活を。ねえ兄さん、どうする？教主様！教主様、奇跡の技を。どう思う？どうもこうも。あの変性反応は錬金術でしょう。お二人とも来てらしたのですね。あんたはさっきの。どうです、まさに奇跡の力でしょう。いや、あれはどう見ても錬金術だよ。でも法則無視してんだよね。法則？一般人が見たら錬金術ってのは無質量が1のものからは同じく1のものしか。つまり錬金術の基本は透過効果。その法則を無視してあのおっさんは。だからいい加減奇跡の技を信じたらどうですか、お二人とも。兄さん、ひょっとして。ああ、ひょっとすると。お姉さん、僕この宗教に興味持っちゃったな。まあ、やっと信じてくれたのですね。どうぞこちらへ。教主様は。悪いね、なるべく長話し。ええ、すぐ終わらせてしまいましょう。このように。
これは教主様の命だ。教主。ひどい神もいたもんだ。僕に任せて。行くよ。はい。Vous connaissez mon amour pour les adaptations d'animés de manga en jeu mobile. C'est un jeu que j'attendais impatiemment. Et en plus, il figurait dans le top des jeux mobiles manga pour l'année 2022. Le lien se trouve en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo, juste en bas. Full Metal Alchemist Mobile est édité par le géant Square Enix, qui n'est plus à présenter. Mais je vais quand même le faire. Il suffit de vous référer à des jeux phares tels que Final Fantasy ou encore Dragon Quest. Et un aspect que j'apprécie beaucoup, ce sont les voix originales. Ça ajoute un plus, ça nous permet d'être immergés dans ce jeu qui a vraiment envie de retranscrire les moments forts ou les temps forts de l'anime. C'est comme si je replongeais 20 ans en arrière. Full Metal Alchemist Mobile est un jeu qu'il faudra avoir dans son smartphone au courant de cette année. Nous n'avons pas encore de date annoncée officiellement pour une sortie sur smartphone, mais ils ont dit prévu pour l'été 2022. L'été, c'est-à-dire entre juin, juillet ou août. Ce sera bien évidemment avant septembre. Vous allez vous contenter des gameplays que je ferai. J'ai décidé de faire une série d'épisodes sur ce jeu afin de vous permettre aussi pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir avoir accès à cette bêta, de regarder le jeu et d'avoir leurs avis. Je vais le faire pour vous, je vais le faire pour toi qui regarde en ce moment, qui n'a pas eu l'opportunité de tester ce jeu. Ce n'est pas grave, la chaîne elle est là pour ça, pour vous permettre de regarder des gameplays et de aussi avoir une vue sur les futurs jeux ou les futures adaptations d'animés et de manga en jeu mobile. まったく大した代物でな。キメラを見るのは初めてかね。どうした猫野郎、しっかり味わえよ。モゾ、よく見ておけ。これが人体錬成を神様とやらの領域を犯したトガメとの姿だ。C'est magnifique, c'est super. Là, j'ai envie de me refaire tout le manga, mais comme je n'ai pas assez de temps pour lire, je pense que je vais passer à l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood. 降りてこいよ、ドサン流。格の違いってやつを見せてやる。なぜこんなガキが。ロゼ、この負けない。行くよ。はい。覚悟しやがれ。逃がさねえ。そうだな。勘違いすんなよ、ハゲ。石が欲しいのは元の体に戻るためだ。もっとも元に戻れるかも。だけどな、教師さん、もう一度行く。神に近づきすぎ地に落とされた。おならばこの私が今度こそしっかりと神の元へ送り届けてやろう。うわあ、あ一旦出るぞ。出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああそうかい。バカだ。出口がなけりゃ作るまでよ。Je serai assez silencieux parce que j'ai envie de savourer ce jeu. C'est comme si je regardais un animé. Et vous aussi d'ailleurs. Je pense que ma voix va un peu vous gêner. Je vais rester avec vous afin de parcourir cet univers. Il t'a une ande, Tenda.
兄さん、どうすればいい？見せしめだ！貴様！やるしかねえ。許さない！行くよ！はい！早くしろよ、アル！右のやつは任せろ。お、面白いじゃねえか。僕に任せて。覚悟しやがれ！逃がさねえ！お、この部屋は？放送室よ。教師様がラジオ。ほほう。え、小僧！もう逃がさない！Je constate qu'il y a beaucoup de dialogue, qu'on ne comprend pas un mot du japonais. Après, je compte toujours sur le didacticiel pour ce type de jeu. Graphiquement, je suis bluffé et je trouve que le jeu est graphiquement beau. C'est ce qu'on attend lorsqu'on joue aux adaptations en jeu mobile.錬金術と奇跡の技の区別もつかん信者を量産して。Le système de jeu a été poussé pour Full Metal Alchemist Mobile. Pour fêter les 20 ans, Square Enix se sont dit non, on doit leur proposer quelque chose de nouveau qui va donner envie aux adeptes et aux fans de vouloir télécharger et de jouer à ce jeu. C'est réussi pour moi. これなんだ。いつからだ？最初からもう全部ダダ漏れ。なんだ？なんてこと！Ah, je suis très content de pouvoir vous fournir cette vidéo. Je ne l'espérais pas du tout. Quand j'ai vu dans ma boîte mail que vous avez été sélectionné et qu'on m'a envoyé mon identifiant, ensuite, pour pouvoir télécharger, il fallait rentrer aussi le numéro de série du téléchargement. J'ai dit waouh, ça, j'ai spécialement créé une playlist pour mettre toutes les vidéos à l'intérieur qui vont parler de Full Metal Alchemist Mobile.Généralement, je suis pas un adepte des jeux en tour par tour. Lorsqu'il s'agit des adaptations, c'est différent quand je joue à Final Fantasy. Je m'attends à ça. Quand je joue à Dragon Quest, je m'attends à ça. Mais pour les jeux tels que Full Metal Alchemist, Black Clover ou encore One, je m'attends plus à un action RPG. Mais le fait de jouer à ça en tour par tour et avec ce système de jeu, je suis conquis.C'est quelque chose que j'appréhende pas beaucoup sur la chaîne, mais je suis plus axé sur les actions RPG. Et là, pour moi, je ne vois même pas le temps passer. J'ai envie vraiment de progresser dans ce jeu et d'évoluer au fur et à mesure que je pourrais le faire. Action!行くよ。はい。わかりました。このガキ。
ぶち殺す。行くよ。はい。あら、やった。覚悟しやがれ。逃がさねえ。私は諦めんぞ。教師様、嘘だろ。この賢者の意志さえあればお前たちなど相手ではない。行くよ。はい。神に祈りよ。信じていればきっと。この愚か。信じていればきっと。神に祈りよ。天罰が下りますよ。僕に任せて。行くよ。はい。覚悟しやがれ。逃がさねえ。C'est grandiose, c'est sublime, c'est vraiment impressionnant. Je vous invite à être à ma place. Essayez un peu d'imaginer, vous avez ça sur votre smartphone, vous jouez. C'est quelque chose de ouf. En plus, on aurait espéré avoir Fullmetal Alchemist sur les consoles next-gen, mais à l'heure actuelle, les smartphones, pour moi, ce sont des véritables consoles portables. C'est pour ça que j'ai eu à faire cette vidéo. Le lien se trouve en haut à droite de l'écran, vous proposant les meilleures manettes que vous devez posséder en 2022 pour pouvoir évoluer et jouer à tout type de jeu. Qui sont adeptes des manettes pour vous donner une sensation de console, de salon ou de console portable? Allez-y, ou dans la description de la vidéo, juste là en bas. オートメールはいろいろ大変なんだからさ。しょうがない。また次探すか。どうして。そんな嘘よ。だって生き返るって言ったもの。諦めなろうぜ元から。なんてことしてくれたのよ。これから私は何にすがって生きていけばいいのよ。教えてよ。ねえ。
そんなこと自分で考えろ。立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。Je pourrais rester des heures en parler tellement le jeu il est bien, il est beau. Vous aussi, je sais que vous êtes de mon avis. N'hésitez surtout pas dans les commentaires. Non, mais le système de jeu, c'est quelque chose de magnifique. Anna Kozo ni watashi no yabo. Kono. Vous n'êtes pas lâché de la nature. Vous avez le didacticiel pour commencer, pour vous montrer ce qu'il faut faire. せっかくいいところまで行ったのに台無しだわ。困った教師様ね。久しぶりに来てみれば何この騒ぎ。あんたたちどういうことだ。いやあね、あなたみたいなのに本物を渡すわけないじゃないの。この石を使えば国を取れると。そんこっちとしてはこのねラスト。ダメよグラッ。どいつもこいつも私をバカに。ダメよそんなの。困った人ね。せっかくここまで盛り上がる。お父様に怒られちゃうわ。さて次はどんな手を使おうか。おや、食べちゃいけないったら。J'ai fini le chapitre 1, j'ai fini le chapitre 2. Je vais revenir dans un chapitre 3, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Ah, Nii-san! Ah, ついでに言っとくと。うん。勘弁してくださいよ。俺らをか。ああ、ついでに言っとくと。誰も乗ってないね。噂には聞いてたけど。L'épisode 2 de cette vidéo est terminé. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Restez sur la chaîne. Je vais faire d'autres vidéos sur le jeu Full Metal Alchemist Mobile. On se dit à la prochaine pour l'épisode 3. Oh!人の話聞けよ。よく来たな。いや、誇りっぽくてすまねえな。炭鉱の給料は少ないんで。ところで、あきいぞ。ご心配なく、結構も。20万ぼったくりもいいとこじゃねえかよ。だから言ったろ。冗談じゃない。他だろ。逃がすか、金づる。諦めな兄ちゃん。
足りん。こうなったら錬金術でこの石金の錬成はバレなきゃ。兄さん悪、親父、この兄ちゃん錬、いや嬉しいね。俺も前にちょいとかじって、そういや、ああそうだっけ、錬金術師で得る国家錬金術、まあ一出てけ。こら俺たちは客だぞ。けーペペペペ、まあまあやるしかねえ。てっ、よっしゃ、いくよ、はい、信じていればきっと。行くよ、はい、よっしゃ、とっとい来やがれ、行くぞ、行くよ、はい、行くよ、はい、はい、よっしゃ、前へ進むって決めたんだ。信じていればきっと。出てけ、行くぞ、行くよ、はい、
っておきのプレゼントだぜ。なんなんだよ一体。あ、僕は一般人です。よく来たな。えらい嫌われようだね。ここを統括してる良き注意ってのが金のも、ここの権利も握ってやがって。俺たちの給料お上に文句言おうにも、奴ら良きと賄賂でつながっ、そこに国家錬金術師と来たもんだ。錬金術師を大衆のためにあれ、実数々の特権と引き換えとはいえ、おや相変わらず汚い店だな、ホーリング。ああ、これは注意殿、こんなむさ苦しいところへ。このところ税金を滞納しておるようだな。すみませんね、どうにも稼ぎが少ないもんで。ふん、そのくせまだ酒をたしなむだけの生活の余裕はあるのか。ということは給料をもう少し下げてもいいということか。このふざけんな！のガキ！子供だからとて容赦はせんぞ。の、どこの小僧だ？いや、注意さんが見えてるってんで挨拶しとこうかなと。大相当紋章の銀時計だぞ。注意殿、何なんですかこのガキは。バカ者、国家錬金術師を知らんのか。大総統府直轄の機関だぞ。これはチャンスだ。ここで好印象を与えておけば中央にコネを作れるかもしれん。部下が失礼いたしました。わ、さあさあ、こんな汚いところにおらずに。そんじゃお願いしますかね。